Bon, déjà Internet, ouais. Les mecs tous les jours m'envoient des messages. Ouais, calibre, bouffon, tu réponds pas à Morsaï. Hey, Morsaï, je te baise. Je te baise, espèce de petite pédé. Hein. Alors, comme ça, quand j'étais en prison, tu fais une petite vidéo. Tu dis que tu me connais pas, que tu me dis que j'ai jamais fait partie de ton truc de pédé, là. Espèce de petite balfringue, quoi. Même les journaux qui ont voulu me ridiculiser, moi, ils m'appellent pas le rappeur. Ils disent pas de moi que je suis un rappeur. Regarde. Regarde. C'est lire, bouffon. Le gangsta. Le gangsta rap. Balfringue. Le gangsta rap. Espèce de balfringue, quoi. Bon, maintenant un autre truc. Dans tes morceaux, là, tu dédicaces les mecs qui font du trafic de stupéfiants. Donc tu me dédicaces. Tu me dédicaces, en fait. Tu dédicaces les mecs qui roulent sans permis de conduire. Tu me dédicaces. Tu dédicaces les mecs qui... style qui nique la nuque. Bah tu me dédicaces. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une vidéo qu'on a fait dans Nice avec des mecs, t'as vu? Mais moi, les keufs, ils sont venus me péter, ils m'ont menotté au radiateur. Les mecs, ils ont été pétés chez eux. Mais toi, t'as pas été interpellé. T'as pas été... On n'est pas venu te chercher chez toi. Pourquoi? Après, dans une de tes vidéos, t'as dit que j'étais fan de toi. Moi, je suis fan de toi. Alors, écoutez bien, Internet. Le mec, il vient chez moi une semaine, il fait la vaisselle pendant une semaine. Le mec, il vient chez moi une semaine, il fait le ménage. Moi, je suis fan de toi, balcringue. Eh, moi, je suis pas tes potes qui ont 14, 15, 16 ans. Dans tes vidéos, tu me clashes, là, tes petits clashes de PD. Moi, je te clash pas, je te ridiculise. Pas besoin de te clasher. Moi, j'ai 30 ans, j'ai pas 14, 15, 16 ans. J'ai pas besoin de toi. Je suis pas fan de toi, je m'en bats les couilles. Calibre, tu peux prêter mon T-Max Hein? Ça suce pour un taux de T-Max? Tu viens me parler avec moi, bouffon, hein? Hein? Moi, je suis pas tombé parce que... on m'a dit, ouais, trafic de t-shirt. Je suis tombé pour trafic de stupéfiants. Je me suis fait balance et je te mets dans le même sac que ces petits pélés, là, qui ont été se plaindre à la justice. Même quand j'étais menotté au radiateur, hein? On m'a fait 96 heures de garde à vue, déféré au parquet. Et les keufs, ils me parlaient de toi, ils rigolaient. Ils disaient, mais toi, Calibre, tu vends du stupéfiant. On a perquisitionné deux armes chez toi. On a pris de l'argent. On a pris du shit. On a pris de la beuh. Et toi, tu parles avec moi, bouffon. Tu fais une vidéo, Calibre, je le connais pas. Mais casse-toi de là, victime, moi. Victime. Moi, derrière, regarde, tu peux regarder. Il n'y a pas un mec là qui est comme ça. T'as vu, c'est Belani, il fait le mafieux. Tu peux regarder là. Il n'y a pas un mec Belani aussi, il fait le mafieux. Je suis tout seul, je te baise. Moi, tu parles pas de moi. Moi, dis aux gens sur Internet qui veulent savoir ce que t'as fait. Hein? Moi, tu m'as téléphoné. Ouais, Calibre, je menace ta maman, je menace tes frères. Moi, tu menaces pas ma famille, moi. Je te baise, petite pute. Je suis tout seul, je te baise. Tu vois? Je suis tout seul, je te baise. T'es une baltringue. Quand tu te bats, j'ai vu dans tes vidéos, tu mets des gifles comme ça. Tu sais, comme une femme, quand elle se bat, tire les cheveux, elle met des gifles. Baltringue, quoi. T'es une baltringue. Tu sais ce que c'est, toi? Que d'avoir une voiture à 80 000 euros, pas de permis de conduire, et d'avoir 200 litres dans le coffre. Tu sais ce que c'est, toi? Petit PD, va. T'es un petit PD. Moi, en tout cas, quand on parle de moi, on dit pas, ouais, Calibre, tu sais, il va manger du ferme parce qu'il a dit nique la police municipale. T'es une baltringue. Regarde, même on veut me ridiculiser, on emploie le terme gangsta rap. Et comme je te l'ai dit, au mois de décembre, je suis convoqué pour outrage. Il y a deux agents de la BAC de Nice qui ont porté plainte contre moi et contre des petits refs de Nice. Pour nique les Condé et nique les skins. Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi je suis au hype, cousin? Tu fais une vidéo? Pourquoi tu fais une vidéo? Tu dis Calibre, je le connais pareil, je te baise. Je te baise. Je te baise. Je m'en fous, moi, de ta vie. Fais ta vie de cassos. Et moi, je fais ma vie. Et t'as menacé ma femme et sa petite fille. Mes cousins. Même pas cousin, parce que t'es rien. Ma femme que t'as menacée, c'est la fille de quelqu'un qu'il fallait pas menacer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois de qui je veux parler? Hein? T'as menacé la fille d'un truand. Un vrai truand. C'est ce que c'est qu'un vrai truand. Je te parle pas d'un mec, toi, vendeur de t-shirts.
Et j'ai rien contre les vendeurs de t-shirts. Hein. J'ai des potos qui vendent des t-shirts. Mais toi, tu fais trop le malin, toi. Je représente les jeunes de banlieue. Eh, moi, les jeunes de ma banlieue, tu les représentes pas. Les gens, ils t'aiment pas. Espèce de balfringue, quoi. Les gens, même moi, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, je sais pas rapper. Je m'en bats les couilles. Je rentre pas dans ces propos. Chacun, il fait sa merde. Moi, il y a des gens, ils aiment pas mon peur. Je les emmerde, c'est pareil. Mais toi, parle pas de moi. Je m'en bats les couilles. Moi, tu connais lui, tu connais lui, tu connais lui. Eh, hey, on est tous des fous, on connaît tous du monde. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que Khalib, ils savent que moi, Khalib, moi, j'ai une case en moins. Fais le ça. Alors, toi, viens pas faire le fou. Fais le fou avec tes potos, ils ont 14, 15, 16 ans. Fais pas le fou avec moi. Moi, je m'en bats les couilles. Même les gens, ils ont voulu me ridiculiser. Écrire, toi, t'étais où, toi? T'étais où? T'étais où quand il ce matin, il a écrit ça? T'étais où, toi? T'étais où? T'étais nulle part. Moi, je suis pas allé à 300 ni ce matin, faire ce peu, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé tout seul. Le journaliste, il est parti en courant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la rage, il a pas parlé de toi. Hein? T'as cru que j'ai pris 6 mois ferme pour trafic de t-shirts? Hein? Alors, parle plus avec moi. Ne parle pas de moi, je parle pas de toi. Je m'en bats les couilles. Fais ta vie, fais ton rap. Même on m'a dit, tu sais pas rapper, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. Je te parle pas de ça. Tu comprends ou pas? Moi, tu parles pas de moi. T'as menacé ma famille? Ne menace pas ma famille. Ne menace pas ma mère. Ne menace pas mes frères. Quand t'as ma femme que t'as menacée, je te le rappelle, fais attention. T'as menacé la fille d'un truand. D'un vrai truand. Maintenant, ton pote aussi, plus taré. Hein. Retourneur de veste, type pédé, va. Hein? Le mec, je vais en Suisse. Moi, je vais vous donner des détails. Moi, je vais en Suisse. Le mec qui m'emmène au quartier des Palettes. Il vient avec son pote Stencil, un petit pédé, un petit fils à papa. On arrive en bas de la cité. C'est pas le mec, il s'embrouille avec un mec. Hein. Ils étaient pas 2, 3, 5, 10, non. Non, non, non. Un contre un. C'est pas son pote à Bultari, il part en courant comme un petit pédé. Hein? Je suis un menteur, moi. Et toi, tu parles, je suis fan de toi. Tu viens chez moi, t'as même pas une paire de chaussettes pour te changer. T'as même pas une paire de chaussettes pour te changer. Mais t'es un crasseux, quoi. Tu parles de moi, tu me connais même pas, cousin. Parce que ça y est, on s'est vu, je suis monté te voir, t'es venu me voir, on se connaît. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Les gens qui me connaissent, ils savent, j'ai une tare, cousin. J'ai une tare. J'ai une tare. Je suis un fou. Maintenant, fais ta vie. Et moi, je fais ma vie. Maintenant, tu peux faire ta réponse, pas ta réponse, je m'en bats les couilles. Ta réponse, déjà, moi, perso, je la regarde même pas. Et je pisse dessus, même je chie dessus. Je m'en bats les couilles. Et je m'adresse à toi, à personne d'autre. Et ton poteau là, le petit bouffon alias, là, suceur de queue, là, petit pédé là. Hein? Il y a des gens sur internet, ils te parlent, ouais, Khalib, Khalib, je le connais. Hein, tu dis quoi? Khalib, je le connais pas. Pourquoi tu connais mes affiches dans ton quartier, petit pédé? Hein? Petit pédé là. Avec ta tête de toxico là. Mais t'as vu la gueule que t'as, petit pédé? Tu pars avec moi, toi? Là, tu t'es mis au rap, bouffon. Eh ben, certes, cousin. Au moins, voilà, tu vas faire quelque chose de bien dans ta vie. Espèce de petit pédé là. Mais même, tu sais quoi, je lui demande rien. Il prend des affiches qu'il imprime chez lui comme un clochard. Il met ça dans son quartier. Après, il dit Khalib, je le connais pas. Petit bouffon, alias, va. Petit pédé, va. Petit pédé, va. Enfin, moi, j'ai pas ton âge, moi, petit pédé, va. Et maintenant, la tête de ma mère, le premier, sa mère qui parle avec moi, parle pas avec moi. Parle pas avec moi. Moi, je suis pas tombé pour trafic de t-shirts. Maintenant, fais ta vie. Et moi, je fais ma vie. Et, hé, t'as menacé la fille de quelqu'un qu'il fallait pas menacer. Tu comprends ou pas? Voilà.